habitants, altitude 950 mètres. Un petit village cantalien qui, depuis cette semaine, se fait son cinéma dans un décor naturel, le café du coin. Moteur. Ça tourne. Ça tourne. Action. Quel boulot, Guy? Ça va? Bof. Pas fort en ce moment. J'ai été obligé d'arrêter les meubles de cuisine. Ah bon? Ça paye plus. Tu parles avec l'autoroute, là? Les gens, ils vont tous à Clermont. Accoudés au comptoir, deux jeunes Auvergnats face à leurs problèmes et à l'indifférence des anciens du village. Le conflit des générations en milieu rural, dépeint par une jeune cinéaste originaire de la région. Corinne Baragouin est ici en pays de connaissance. C'est elle, bien sûr, qui a choisi le lieu du tournage. Alors pourquoi j'ai choisi un bar? Parce que c'est un lieu de vie, tout simplement. Toi, c'est un lieu d'échange, de communication. Et puis, parce que ici, dans le Cantal, je pense que vraiment, il y a une chaleur particulière qui se dégage. Une atmosphère recréée avec en prime la participation de figurants du cru. Et puis, quand je vais dire action, oui. À ce moment-là, bon, vous allez attendre un tout petit peu dans cette position d'écoute. Oui. Et ensuite, vous allez regarder de ce côté-là en bougeant le fauteuil, d'accord? Oui. La position d'Arnold. Et toi, Baloche, tu bouges pas, là, à la poste? Et quand opère la magie du cinéma, les patrons du lieu ont du mal à en croire leurs yeux. La réalité ressemble parfois à la fiction. Coupé. Puisque nous parlons...